suka tambe asunga yo kozwa epemelo toko kutana namukura suka tambe asunga yo kozwa epemelo Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de commencer, je vais dans un premier temps vous donner le programme qui sera le nôtre pendant ce moment liturgique. Nous venons de commencer par un chant d'ensemble qui est suivi par une prière dite par Mama Diaconesse. Nous ferons la lecture des commandements de Dieu et des textes afférents à la circonstance qui nous réunit. Et après, nous allons passer au sermon, c'est-à-dire à l'explicitation de la parole de Dieu. Bien après cette partie liturgique circonstancielle, nous allons passer à l'intervention de la famille. Donc après la partie liturgique, papa secrétaire de Lille viendra pour que successivement puisse venir prendre la parole, intervenir la famille, la paroisse de Lille, paroisse à laquelle papa Doualou était pasteur. Il faisait aussi partie d'un groupe que nous appelons Fluki, dont les flûtistes kimbanguistes, et sera suivi bien après la cérémonie des décorations. Et nous allons terminer après par une prière finale. Si nous donnons ces programmes, c'est pour que nous puissions bien suivre le déroulement de cette cérémonie qui s'est fait en deux temps. Premièrement, la partie liturgique, l'intervention de la famille des frères et sœurs qui veulent témoigner pendant ces moments précis pour notre frère qui vient de nous quitter. Et la deuxième partie, ça sera au cimetière pour l'inhumation. Et à ce moment-là, pendant la cérémonie de l'inhumation, je serai le seul à prendre la parole du début jusqu'à la fin. Donc toute intervention, quelle qu'elle soit, doit se faire dans ce cadre ici. Voilà, donc il était bien de pouvoir éclairer ces programmes. Nous allons lire d'abord les commandements des dieux. Nous les prendrons dans le cinquième livre de Moïse, c'est-à-dire Deutéronome, au chapitre 5, de 1 à 21. Et après, nous lirons dans le psaume de David, au chapitre 39, nous prendrons du verset 5 à 8. D'autres textes viendront pour expliciter l'importance de cette journée que nous vivons dans l'ici et maintenant. Donc, deux textes de référence et d'autres textes qui viendront pour pouvoir expliciter cette parole. Donc, nous commençons notre lecture en lisant le Décalogue. Une lecture que nous prenons dans le psaume de David, au chapitre 39, et nous lirons du verset 5 jusqu'au 8e. En voici la lecture. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours
La largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Délivre-moi de toutes mes transgressions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel notre Dieu, Papa Simon qui parle, le Saint-Esprit, Papa, nous t'appelons en ce moment que tu as préparé pour nous ici-bas, parce que dans la vie d'une personne, tu as prévu trois fêtes essentielles. D'abord, la naissance. Deuxièmement, le mariage. Et troisièmement, le retour vers toi, Seigneur. La troisième fête, c'est la mort. Et c'est cette fête qui nous réunit aujourd'hui pour notre frère, ton serviteur, qui est venu au monde, qui a fait sa vie telle que tu l'as déterminée, et aujourd'hui tu l'as appelé vers toi. Papa, nous avons lu ta parole, et cette parole, nous ne la lisons pas pour lui, puisque lui est de l'autre côté, il est déjà parti vers toi. Mais nous la lisons pour nous qui sommes là, pour que nous puissions prendre la mesure de ces moments essentiels. Viens, sois avec nous, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta parole et que cela puisse nous servir tout au long de notre vie ici-bas. Sois avec nous depuis le début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous avons fait deux lectures. Nous avions lu d'abord les commandements des dieux. D'aucuns diraient pourquoi pendant le moment de la mort, pendant ce moment de recueillement, devons-nous lire les commandements des dieux? Nous devons lire les commandements des dieux parce que les commandements des dieux constituent le cadre pour toute personne ici-bas, constitue a fortiori le cadre pour tout chrétien, parce que Dieu nous donne des repères, Dieu nous donne des balises pour que nous puissions savoir comment nous pouvons nous comporter ici-bas, dans ce monde. Dans ce monde où nous ne sommes que de pèlerins, dans ce monde où nous ne sommes que de passage. Et nous savons très bien, toute société, quelle qu'elle soit, a toujours un cadre. Toute société, quelle qu'elle soit, a des lois qui légifèrent le vivre ensemble. Toute maison, quelle qu'elle soit, a un cadre, a des lois qui régifèrent l'ensemble de la famille. Et même quand nous regardons la porte comme telle, la porte a un cadre qui permet à la porte de se fermer et de s'ouvrir. Nous pouvons prendre tant d'exemples qui peuvent montrer l'importance du cadre. La fenêtre a aussi un cadre qui permet à la fois de s'ouvrir et de se fermer. Dieu, qui nous a créés en son image et à sa ressemblance, nous donne des éléments essentiels, c'est-à-dire ses commandements, ses lois, ses préceptes, que nous appelons les 10 commandements. C'est-à-dire les 10 prescriptions, les 10 recommandations de Dieu pour l'homme, pour que ces commandements puissent nous servir comme une lampe qui doit éclairer notre sentier de la vie. Pourquoi
cette lampe, cette lampe qui va éclairer notre vie ici-bas, va nous permettre de marcher dans la voie de Dieu, va nous permettre de marcher dans les recommandations de Dieu. C'est ce qui fera de nous des enfants de Dieu. Voyez, donc il est important de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous venus dans ce monde par la naissance. Nous sommes de pèlerins, nous sommes de voyageurs ici-bas. C'est comme quelqu'un qui voyage, et pour voyager, cette personne doit se munir toujours de son passeport. Et ce passeport que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, si seulement si nous nous reconnaissons comme de créatures du Dieu vivant, ce passeport qui nous permet de venir ici-bas par le désir de nos parents, par la volonté de Dieu, commence toujours par la naissance. C'est un moment que nous n'avons pas choisi. Personne d'entre nous ne dirait que moi j'ai choisi ma naissance. C'est l'œuvre de Dieu qu'il accorde à deux personnes qui s'aiment et qui désirent fonder une famille. Et dans notre parcours, dans notre cheminement dans la vie, Dieu nous donne une deuxième fête. C'est le mariage. Durant cette fête, nous avons le choix. Le choix de choisir la personne avec qui nous allons partager notre vie. Mais la troisième fête, c'est le retour vers Dieu, c'est la mort. Donc la première fête, la naissance, et la troisième ne dépendent pas de nous. Mais la deuxième fête, qui est dans le cheminement, dans la construction de notre vie, dépend de nous parce que nous faisons un choix. Et Dieu veut que de notre naissance jusqu'à notre retour dans son céleste royaume, nous puissions nous comporter comme il se doit, comme de gens dignes, comme des enfants de Dieu. C'est ainsi qu'il nous donne des recommandations. Donc nous devons les appliquer. Nous devons les mettre en œuvre pendant toute notre vie. Et cela est très important. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, comme nous sommes des voyageurs, j'ai pris l'exemple du passeport. Quand on veut voyager, on doit avoir un passeport. Dieu nous donne un passeport. À chacun de nous, chrétiens ou non chrétiens, nous avons ces passeports. Dans ces passeports, il y a trois repères. Il y a d'abord l'amour. Si nous sommes nés, c'est par amour. Dieu est amour. Et Dieu veut que nous puissions être des êtres d'amour, que nous puissions manifester l'amour autour de nous. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il n'y a pas autre chose. Là où il y a l'amour, on aime son Dieu, on aime son prochain. Et la vie serait aussi simple que ça. L'amour. Mais cet amour constitue aussi la langue de Dieu. Parce que Dieu lui-même, dans son être, dans son essence, est amour. C'est ainsi qu'il exige de toute créature, quelle qu'il soit, chrétien ou non chrétien, de pouvoir manifester cet amour, a fortiori pour nous qui sommes chrétiens, peu importe notre confession. Mais quand nous nous disons que nous suivons Christ, nous devons manifester l'amour, puisque Christ est venu mourir pour nous. C'est par amour. Et si le premier repère dans notre passeport, c'est l'amour, le deuxième, c'est ce que nous venons de lire, les commandements de Dieu, qui constituent des balises, qui constituent des garde-fous, qui doivent nous préserver des obstacles durant notre voyage terrestre. Et la troisième, c'est la mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Chacun de nous a une mission à réaliser ici-bas. Et nous verrons que notre frère qui vient de nous quitter était pasteur. Il a consacré toute sa vie à l'œuvre de Dieu. Voilà sa mission. Quelle est votre mission ?
chers frères, chers sœurs, est-ce que exercez-vous cette mission comme il se doit, dans le respect de la parole de Dieu? Voilà, donc notre vie doit être enracinée dans la parole de Dieu pour assurer notre existence terrestre, mais aussi penser à notre retour après le voyage ici-bas. Vous voyez, le moment présent, ce moment de la mort, doit nous interroger pour comprendre comment nous organisons notre vie sur terre, sachant que nous devons un jour repartir vers notre Père. Et cela ne se fait que par la mort. Mais qu'est-ce que la mort? En ce moment précis, chers frères et sœurs, nous sommes dans une douleur intense, la douleur de la séparation. C'est ce que nous endurons. Pour la famille qui est restée, pour des liens que nous avons tissés avec notre frère. Mais lui, en ce moment, il est de l'autre côté, comme on dit, il est dans l'au-delà. Il a franchi cette porte qui mène à l'au-delà, cette porte de la mort. Et ce moment précis doit nous interroger. Ça doit être un moment de questionnement pour toute créature, chrétienne ou non chrétienne. Comment je prépare mon retour vers le Seigneur? La mort n'est qu'une porte. Notre frère a traversé cette porte pour passer de l'autre côté. Au sein de l'église kimbanguiste, nous avons Papa Kisolokele qui nous disait toujours, « Mes enfants, conduisez-vous bien dans la vie, parce que je souhaite vous voir de l'autre côté. » L'autre côté, c'est au travers de cette porte de la mort, parce que la mort fait partie de la vie. Passer de l'autre côté. Ainsi, pour passer de l'autre côté, chers frères, quand on finit son voyage, ou quand on veut voyager, eh bien, on doit chercher. Si on a simplement son passeport, ça ne suffit pas. Pour aller, on vous dit, ben, il faut mettre le visa. Pour retourner là où est notre Père, nous devons nécessairement nous munir d'un visa. Ce visa doit avoir trois éléments essentiels. L'amour, parce que nous sommes des êtres d'amour. Dieu est amour. Les commandements de Dieu, le respect de soi-même, de l'autre, de l'environnement, de toutes les personnes qui y sont, fait partie des recommandations de Dieu. Nous devons nous munir de ces commandements et des œuvres de Dieu. Travailler pour Dieu. Cela va nous permettre, ces trois éléments essentiels, l'amour, le respect des commandements et la pratique des bonnes œuvres, constitueront notre visa de retour vers notre Père. Vous voyez? Donc, il est vraiment important que nous puissions nous poser toutes ces questions. C'est ce qui fait que nous avons lu dans le psaume de David. Dans ce psaume, David, qui se reconnaît comme enfant de Dieu, se pose la question en se disant, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. » Nous savons très bien que notre vie n'est pas comme la vie de ceux qui ont vécu avant. Adam a vécu 930 ans, mais actuellement notre vie est de 70, 80 ans pour ceux qui sont plus forts, etc. Et nous devons savoir que faisons-nous de notre vie qui est si courte, comment nous l'investissons pour que nous puissions préparer notre retour. Ainsi, ces moments solennels, ces moments capitaux nous interpellent. Comment je prépare ces moments pour moi, si seulement je vais rentrer vers mon Père. Puisque le temps ici-bas est court, puisque le temps ici-bas n'est qu'un ombre. C'est comme l'herbe qui est là, quand on les fauche, ça sèche. Mais pour l'homme, nous devons savoir que, comme nous avions dit, la mort, ce n'est pas la fin, ce n'est qu'une porte qui nous ouvre
vers la vie éternelle de Dieu, si seulement si nous l'avions bien préparé. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 8, Ecclésiaste nous dit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le souffle appartient à Dieu. Dieu a donné une date à la personne pour venir au monde et un moment du retour. Voyez, quand la mort arrive, nous ne pouvons pas nous en échapper. L'homme ne peut pas ajouter un cheveu au-dessus de sa tête. L'homme ne peut pas redresser ce que Dieu a courbé. Quand Dieu demande que nous puissions rentrer, chers frères et sœurs, que nous ne le voulions pas, nous allons rentrer. Aujourd'hui, c'est le temps pour notre frère. Ainsi, nous devons nous préparer en conséquence, parce que la vie ici-bas est très courte. Nous devons travailler pour le Seigneur, pour préparer notre retour vers Dieu. Puisque Jésus-Christ lui-même le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ, le ressuscité, nous a devancés pour nous préparer une place. Mais qui entrera dans sa maison céleste? Qui aura une place auprès de l'Éternel? C'est lui simplement qui s'est bien conduit durant toute sa vie. Voyez, nous devons bien nous conduire ici-bas. Ne prenons pas la mort comme une habitude, comme une banalisation, qui, quand ça arrive, nous disons: ah, nous avons un peu de remords, après nous oublions. Ne l'oublions pas, puisqu'il y a un temps qui nous attend, qui nous ferait passer de l'autre côté. L'apôtre Jacques, dans Jacques 4, 13, 15, nous dit: puisque souvent nous disons, je vais faire ceci, je vais faire cela, nous faisons des projets à court, moyen, long terme. Mais écoutons ce que Jacques nous dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Voyez, nous devons confier notre vie, nos projets à Dieu, parce que Dieu seul sait le terme de la vie de chacun. Nous devons toujours dire: si Dieu le veut, si Dieu le permet. Parce que tous ceux qui se sont endormis avec nous, il est de ceux qui ne se sont pas réveillés ce matin. Mais ils avaient aussi des projets. Vous voyez, chers frères et sœurs, œuvrons pour Dieu. Parce que un jour, nous aussi, nous passerons de l'autre côté. Comme cela est écrit dans le psaume 59. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'en durcissez pas votre cœur. Réconsidérons nos voies pour entrer dans la lumière et reprendre notre place dans la maison de Dieu. Nous allons tenir compte du temps qu'il nous a imparti. Mais quand vous irez à la maison, chers frères et sœurs, vous pouvez lire aussi dans Apocalypse.
Apocalypse 14. Verset 13. Apocalypse 14, verset 13. L'apôtre Jean nous dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Si la mort constitue pour nous une difficulté, pour Dieu, là, Dieu est heureux, dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'ils vont se reposer de leurs travaux et leurs œuvres le suivent. Aujourd'hui, notre frère Papandoualou se repose de ses œuvres ici-bas. Et tout ce qu'il a fait, ses œuvres le suivent. Voilà, nous sommes venus de différents lieux. De la Belgique, de Hollande, de Lyon, etc. Nous sommes venus pour accompagner notre frère parce que dans son investissement dans l'œuvre de Dieu, ses œuvres le suivent. Est-ce que vous aussi, vos œuvres vous suivront? Est-ce que moi aussi, mes œuvres me suivront? Quelle serait la qualité de ses œuvres? Puisque si mes œuvres sont de bonne qualité, si mes œuvres produisent le fruit de l'amour, alors là je suis certain et sûr que je serai avec Jésus à la place qu'il a préparée pour moi. Mais si mes œuvres ne sont pas justes, c'est maintenant, comme la Bible nous dit aujourd'hui. Réconsidérons notre voie pour que nous puissions nous préparer à repartir vers notre Dieu avec un visa qui aura trois éléments: l'amour, les commandements de Dieu et la pratique de bonnes œuvres. Nous en avons fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Levons-nous pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander à la famille de bien vouloir passer devant pour leur message d'hommage en ce jour si particulier. Papa, un ange au sens propre,
Tu as toujours été cet homme gentil, brillant, empathique, rempli de bons conseils et de sagesse. Un papa, un mari et un ami exemplaire. Comme ton nom l'indique, Wasolua. Tu avais ce don pour parler aux autres, un bon orateur. J'ai jamais connu une personne aussi forte, intelligente et courageuse que toi. Tu étais tellement réfléchi, je me suis toujours demandé comment c'était possible d'anticiper autant de choses. Tout ce que tu faisais, tu le faisais avec sérieux. Papa, je te remercie de t'être battu pour nous, ta famille. Tu as su nous protéger en tout temps, dans la maladie, et aujourd'hui je sais que tu nous protèges même dans la mort. Je me souviens de cette fois où j'ai crevé mes pneus et que malgré le fait que tu sortais du travail, tu es venu me gonfler mes roues. Et cela, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tu étais un père tellement attentionné. Tes missions principales sur cette terre étaient de prendre soin de ta famille et d'apporter une harmonie dans l'église de Dieu. Tu voulais que chaque fidèle trouve sa place dans la maison de Dieu. Et tu voulais faire en sorte que cette église devienne une église puissante. Ma question à l'heure actuelle est, faut-il réellement être triste? Nous connaissons la personne que tu étais. Je suis convaincue que tu es auprès de Dieu et que Papa Simon Kimbangu Kyangani veille sur toi. Tu connais actuellement la vie éternelle, une vie saine, sans soucis, sans douleur. Ta phrase favorite, c'était « L'union fait la force ». C'est pourquoi, comme tu nous l'as inculqué avec mes frères et sœurs et maman, nous continuerons à former un. Ne te fais pas de soucis pour nous et repose-toi en paix. Je te promets d'appliquer toutes les valeurs que tu nous as enseignées afin qu'un jour nous puissions nous retrouver. Je te remercie pour tout. Merci pour tout ce que tu as pu m'apporter et pour tout ce que tu m'as enseigné. Toi, papa, tu nous as tellement tout donné. Tu as remué ciel et terre pour chacun de nous. Tu nous as appris à toujours donner aux autres, à toujours partager et à respecter les autres. Avec toi, nous avons vécu la joie et l'amour dans notre foyer. Toujours derrière nous pour nous pousser à faire des grandes choses. Ta disparition a créé un vide que nul ne peut combler. Mais ce qui me soulage, c'est de savoir que tu as franchi les portes du paradis et que tu reposes en paix. Tu étais tellement un homme bon, tu t'es donné dans tout ce que tu accomplissais. Tu as donné ta vie pour l'église, pour la paroisse de Lille, pour ta famille entière. Pour tes neveux et tes nièces orphelins, tu as tout donné. Aujourd'hui, tu laisses beaucoup d'orphelins, beaucoup de personnes attachées à toi. Tu as partagé tellement de choses avec beaucoup de monde, toujours avec amour et respect. Tu avais cette connexion avec chacun. Tu te souciais de chacun et de chaque détail. Je me souviens de ce voyage que j'ai fait avec mon mari. Tellement loin que je sentais ton inquiétude. De loin, je sentais ton inquiétude. Je t'ai appelé et effectivement, tu avais besoin de m'entendre pour te rassurer. Je te promets de continuer tes projets. J'aurais tellement envie, voulu continuer à te gâter et à te choyer. Je te promets d'être celle que tu aimes que je sois, généreuse et respectueuse. Je te promets de prendre soin de tes petits-enfants, comme tu en prenais tellement soin toi-même. Je te promets de prendre soin de maman. C'était ton double, ta reine. Merci pour tout, papa.
Tu t'aimes, bébé. Juste, me baiser. Pas de conseil. Tu trouves toujours les mots justes. Tu t'apprêtes toujours à trouver un verset biblique pour me soulager. Papa, tu restes avec moi. Merci. Avant d'écouter le message d'hommage très poignant de la famille qui nous touche tous, nous allons continuer dans cette partie d'hommage. Et à cet effet, nous demandons au papa coordonnateur de la coordination du FLUKI Europe, Amérique, Asie et Océanie de passer devant pour son message d'hommage pour le compte du groupe FLUKI Europe, Amérique, Asie, Océanie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Ndoa Lou Noa Wasso Loa Edoa est né le 10 août 1954 à Nsenga, en République démocratique du Congo. Il a intégré le groupe Fluki Kimbangiste en 1965 et a commencé à jouer à la flûte à l'âge de 11 ans. Il a œuvré pendant plusieurs années à l'essor de Fluki en RDC, dont il jouait dans la partition alto. En 1999, il participe activement à la création du groupe Fluki Lille, dont il est le premier dirigeant responsable. Il forme les apprentis au maniement de la flûte et au tambour. Dès lors, le groupe Fluki Lille prend son élan et participe activement à tous les projets du Fluki. Il a occupé des fonctions clés au sein de la coordination du Fluki Europe, Amérique, Asie et Océanie. Il fut conseiller de 2012 à 2019, puis responsable de l'évangélisation jusqu'en 2021. Fonction qu'il a menée avec faste et brio. La direction générale du Fluki et la coordination Europe, Asie, Amérique et Océanie perdent aujourd'hui un pilier qui a toujours œuvré pour la cohésion du groupe. Il se démenait toujours pour faire évoluer le Fluki en portant sa pierre à l'édifice, ce qui est un exemplaire. Il nous a quittés le 18 juin 2021 à Tourcoing à l'âge de 67 ans, laissant une veuve et quatre enfants. Papa Ndoa Lou Noa Wasso Loa Edoa repose en paix. Tu nous manqueras beaucoup. Pour la coordination Europe, Amérique et Asie Océanie, en l'honneur de la présence de notre coordinateur, Papa Freddy Lumona Nsono. Merci. Toujours dans le cadre de cette partie hommage, nous sommes toujours dans ce volet. Nous allons maintenant demander à la paroisse de Ligne de passer devant. Donc je suis chargé aujourd'hui de la représenter et de lire le message d'hommage dans le cadre de pour la paroisse de Ligne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous venons d'entendre dans le message précédent, Papa Ndoa Lou Noa Wasso Loa Edoa est né le 10 août 1954 à Nsenga, en République démocratique du Congo. Il a été secrétaire de la paroisse de Lille de 1999 à 2018, puis révérend pasteur responsable de la paroisse jusqu'en 2021. Il a beaucoup travaillé au sein de la paroisse. Il avait plusieurs casquettes. Il jouait à la flûte, à la symphonie, chantait également à la chorale. Et il avait un don pour le maniement des instruments.
autodidacte, à la fois la trompette, la flûte, et il ne manquait pas justement de faire progresser la paroisse avec ses différents instruments. Il a participé activement à l'évolution des différents mouvements de la paroisse par ses nombreux conseils et donnant aussi de sa personne. Il a mené toutes ses actions avec brio. Nous gardons le souvenir d'un homme calme, respectueux, simple et bienveillant, souriant et toujours à l'écoute des chrétiens. Aujourd'hui, la paroisse de Lille perd un élément moteur qui a toujours travaillé dans l'unité et la cohésion. Papa pasteur nous donne un seul Edouard pour prodiguer des conseils. On pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, il était toujours disponible. Je me rappelle, quand j'étais étudiant dans la ville de Lille, même pour des conseils, on pouvait se rapprocher de lui. Il n'allait pas dire « Ah bah, moi je veux m'occuper que de mes enfants ». On était tous ses enfants. Et il était toujours près des siens, près des chrétiens et de sa famille. Sa porte était toujours ouverte, à tout moment, à tout instant. Et ça, ce sont des valeurs très très fortes. C'est un exemple à suivre. Il nous quitte donc à l'âge de 67 ans. Il laisse une veuve et 4 enfants. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, solennellement et avec notre cœur, c'est que Papa Ndoye Edouard repose en paix. Il restera jamais, à jamais gravé dans nos cœurs. Nous ne l'oublierons pas. Nous n'oublierons pas tout ce qu'il a fait pour la paroisse, mais ce qu'il a fait aussi personnellement, parce qu'il a donné toute sa vie, il a consacré toute sa vie à l'œuvre de Dieu, spirituellement et matériellement, toujours à l'écoute. Et nous, ici, ils sont encore là, comme nous avons entendu dans la partie liturgique, c'est ce type d'exemple-là que nous devons suivre. On dit toujours qu'on donne de la fierté à une personne par son travail. Et aujourd'hui, ce travail-là, il est très louable. Toujours dans cette humilité, toujours avec son cœur. Il ne tergiversait jamais. Toujours dans le calme. Et c'est donc l'image que nous gardons tous de Papa Pasteur Ndoye Edouard. Et toujours on se disait, ah, si je pouvais être comme ça. Parce que c'était des exemples. On dit toujours qu'il faut se rapprocher des bons exemples. Et ça, c'en est un. Donc une voie à suivre pour chacun d'entre nous. Parce que ça nous touchait dans notre cœur, dans nos tripes. À chaque fois, pour ces conseils qu'il nous donnait, même quand on se disait, ah, là, il n'y a pas de solution. On allait voir Papa Pasteur. Et il y avait toujours une solution, une petite porte entrouverte par laquelle une solution jaillissait. Quand on se disait, ah, là c'est vain, c'était un serviteur de Dieu. On sait que les responsables de la paroisse où ils sont, ils représentent l'autorité de Dieu où ils sont. Et donc, quand on allait se confier, on avait toujours une porte ouverte et une réponse aussi à nos doléances. Et ça, c'est vraiment un exemple à suivre pour chacun d'entre nous. Et pour la famille qui est ici présente, vous pouvez être fiers de votre frère, votre papa. Aujourd'hui, on perd, comme on le disait tout à l'heure, un élément moteur. Et ça nous fait réfléchir. Et on se dit, on aurait voulu peut-être passer plus de temps parce que à chaque fois qu'il a fait les cours bibliques, il était toujours là pour nous partager avec simplicité tout ce qu'il avait appris à l'école biblique pour former les plus jeunes. Ah, les papas, les mamans, nous allons faire des séminaires pour vous permettre de progresser avec tout ce qu'on a appris. Et ça, ça nous donne du courage. Même quand on était parfois, on pouvait être parfois découragé, il trouvait toujours les mots réconfortants pour nous permettre de grandir comme une fleur qui est arrosée tout le temps et qui grandit et qui finit par sortir de bons fruits. Et ça, c'est un exemple à suivre. Mais on sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, c'est un moment particulier
Quand nous devons être dans des moments de joie, nous restons dans cette joie-là, tous ensemble, parce que c'est l'unité et la paix. Quand c'est des moments aussi de tristesse, nous partageons également ces moments-là. Donc pour le message vraiment que nous venons porter haut et fort, c'était vraiment celui-là. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites ici, qui ne sont pas prévues sur le papier, mais en tout cas, c'est ce que la paroisse, c'est le message que la paroisse de Lille voulait en ce jour délivrer, avec arme, avec faste, avec brio, pour tous l'œuvre qu'il a accomplie, parce que quand on dit « rendons à César ce qui est à César », on rend aussi à une personne qui a fait le travail avec faste, on rend honneur à tout ce qui a été fait, parce qu'aujourd'hui, ça nous a laissé des bons fruits. Je me rappelle aussi, quand nous n'avions pas de salle pour répéter, c'était compliqué. On sait aussi que quand on ne répète pas, la répétition, c'est la mère des sciences. Quand on va, on se retrouve le dimanche, c'est pour louer l'Éternel. Et quand on répète, et que les chants sont bien appris, ça plaît à Dieu. Parce que chanter, c'est prier deux fois. Papa Edouard, c'est démener, papa, pasteur Noël, seul Edouard. C'est démener avec ses tripes, avec son cœur, pour trouver des solutions, trouver une salle au niveau de la mairie. On pense que c'est simple, mais ce n'est pas aussi simple qu'envoyer une lettre à la poste. Et donc, il nous a appris, il nous a mis sur la voie. Il nous a donné cet élan de générosité, cet élan de simplicité, cet élan d'humilité pour dire, quelles que soient nos différences, quelle que soit la manière dont nous sommes, nous devons être simples. Voilà le message que nous souhaitons délivrer aujourd'hui. Et pour la suite du programme, nous allons demander à Papa Pasteur d'Ilou Bendi de bien vouloir vous passer devant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Du groupe flûtiste Kimbagis, ils vont procéder à la décoration. Après la décoration, nous allons appeler le révérend pasteur Arsène Matan. Tout pour la prière finale.
2. Clairon, ouvre le banc. 1. 2. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher Papa Ndoualou, moi, Edouard, fétus de Lille et évangéliste à la coordination Europe, Amérique, Asie et Océanie, à l'occasion de votre disparition physique, l'équipe d'honneur de la coordination, agissant au nom du président général, Papa Massamba Makivangila Jean-Pierre, est rangé pour vous rendre les derniers hommages. Qu'il plaise à la Sainte Trinité de vous ranger dans sa cour. Le commandant d'honneur Kibongila Dakin, chancelier de la coordination. Équipe d'honneur, musique. Équipe d'honneur, à mon commandement. Pose des drapeaux et dernier hommage. 1, 2. Et moi, papa,
Merci. Muna luzolo la benoba tatu bandongo le tutu risi mwentangwe. Tata pasteur votre moyela kuna kwembe. Katunezi na wonga ko ubongozi njila yenge kibeno watusonga yo umwana wa Yesu Kristo. Papa, papa. Papa pasteur nzai katuki nzai ampasa. Kanifi mo fiole bika wa mfila kiyaki. Zibula mpaka kakota. Kafutuka muna mungu mabu, muna mtoto mkatuka, muna mungu mbwase, imwana, imwanda bada. Amen.
Thank you.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto tolingi komanda programme na biso to sengi limemia na nyoso to kosala to sale la miso toko senga libondeli epai ya mama conseiller direct to bonde na bolingo na bino miso to tata mwana pe tata molimo santo papa to pesi o merci mingi na occasion aussi de ko pesa biso to ya ko rendre un dernier hommage na mosali na yo kati na ilanga na yo nzambe na ngai. Il y a solo ce pelisa qui était au kokakobenga na mboka na yo. Awuti na mokilio ya biso bato masumu kotala mabe na ete. Metala ta moko ya malamu ya zaki kosala liboso na yo. Eko ki kozanga te papa. Po oya kosala kayebiti na nina kosalelaka. Nzambe na ngai tango ekoki. Po ete to sala fuka ndenge tokobengaka. Papa to bengio ozala kati na biso nyoso le kandengio nzambe obongiseli atiki veuve na bana ba orphelin de père nzambe na ngai ekozala kapasi bokabwani me lokola yo papa simo kimbangu le consolateur oyaki wana ko consoler biso papa sala musala na yo tala ma wakati na biso kati na famille et la famille kimbangiste na baninga mususu to ye na tina bolingo oyo bokosenga kabiso tango nyonso ya solo papa mokolo yango ekoyeba na kati bo pesi biso kaka makambo misato bolingo mibeko misala soki totosi yango te eza na biso pasi pamba te bolobi na biso nzambe bakosalelaka ye tango za bomoi po mokolo wana soki ekoki moya kozonga lisusu ezali te yango wana nzambe na ngai merci merci kaka tokosenga ntango nyonso zala na biso papa toyaki na kimia yoko kozongisa biso na kimia papa pasteur alingi asala mosala na ye nzambe na ngai yo ozala kati na ye po ete yo moko oya koswa na biso zala na biso banda ntango eki ntango ekoya na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Dieu est notre refuge et notre force. Il est notre proche secours dans la détresse. De même qu'un père compatit pour ses enfants, Dieu notre Père a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes ne fussent et que tu n'eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Loué soit ton nom éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa grande miséricorde, nous a rachetés par une espérance vivante, par sa résurrection d'entre les morts,
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent et ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Père et Dieu, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'homme peut dire, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vue que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » C'est le jour de sabbat réservé au peuple de Dieu. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toutes langues assemblées debout devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et tenant dans leurs mains de rameaux, criant d'une voix forte, le salut est en notre Dieu qui est assis sur le trône et en l'agneau le Fils glorieux. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour, nuit et jour dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim ni soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les prêtera et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Christ, tu es le roi de gloire. Tu as vaincu les affres de la mort, ouvrant ainsi les portes du royaume des cieux à ceux qui t'obéissent, croient et espèrent en toi. Terre, tu es terre dans la terre, ton corps retourne comme il a plu à Dieu Créateur de rappeler à toi ton âme. Nous remettons ton corps dans la terre d'où il a été tiré. Poussière dans la poussière. Cendre dans la cendre. Poussière et cendre. Nous remettons ton âme entre les mains de Dieu, notre Créateur, dans l'espoir de te voir ressuscité dans la gloire en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel est mort et ressuscité et qui se trouve assis à la droite du Père, ainsi qu'à Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ô Dieu de paix, toi qui retiras des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, qui, dans son amour infini, sauve le brebis de son sang. Éternel notre Père, approche-toi de nous pour nous consoler des douleurs de la séparation. Donne-nous l'intelligence de comprendre que la mort, loin de nous séparer de ton immense amour, ne fait que nous conduire là où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, attend ceux qui meurent en lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bambuta et puis Bissobos. Musique.
La vie continue. Moyen pour ça, la autre mentalité. Même la mise sur Tatan Zambé, Aza Botal et Layo. Tant que nous sommes bêtes à Ramabakou, parce que nous sommes bien, la vie est en terre, 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 la place est allée belle. Je suis un peu plus de temps. Merci.